Salut toi, c'est Lydek, et je me retrouve sur une petite map où il n'y a que de l'herbe, parce que je suis en haut de la tour, et derrière moi se trouve la commande, et oui, le gros pâté que vous voyez au loin, c'est la machine à commande bloc qui va me permettre d'avoir des nouveaux crafts. Alors cette machine, ça fait longtemps que je bosse dessus, de toute façon j'avais fait une vidéo il y a peu de temps pour en parler, et en fait cette machine, donc j'ai fait les comptes, et elle rajoute au total 140 nouveaux crafts. Et parmi tout ça, il y a 109 nouveaux objets rajoutés par cette commande, plus seulement 14 nouveaux blocs. Voilà. C'est tout. Donc cette commande-là, je suis vraiment très fier d'avoir réussi à la faire. Alors le système d'hydratation que je voulais mettre avec cette commande, bah finalement je l'ai pas mis parce que des petits problèmes parce que je l'avais construit en 1.8, donc comme les commandes, enfin les commandes et tout dans la commande bloc, ça a changé. Il faut que je le refasse complètement et le refaire intégralement, ça a repris trop de temps et j'aurais pas pu sortir le premier épisode de la série Minecraft. Donc je me suis dit, tant pis, je le ferai de mon côté et je l'intégrerai à la série quand j'aurai le temps. Il viendra sûrement durant un épisode, je ne sais pas quand. Il pourra arriver peut-être pour le dernier épisode, c'est pas grave. Parce que vous savez, je suis un peu un gros flemmard, donc je suis pas sûr. Alors, tout de suite, bah, je vais juste présenter vite fait la commande. Voilà, le gros pâté. Donc, j'ai pu améliorer. Avant, elle était plus grosse et plus longue. Et il y avait des commandes blocs bleus, mais il y en avait des oranges aussi. Et en fait, j'ai découvert avec une petite astuce que les... ceux qui seraient familiarisés avec les commandes blocs. Les commandes blocs bleu ciel sont des commandes blocs chain. Et donc, en fait, eux, ils vont... Quand vous voyez, ils sont bien tous dans l'ordre, les flèches se suivent et on peut régler si les chaînes s'imbriquent les uns dans les autres, donc si les flèches sont tous dans le même sens, eh bien la commande va passer d'un commande bloc à un autre jusqu'à ce que toute la chaîne soit faite. Ça marche comme ça. Et bah, les bleus en fait, ils la font tout le temps. Et on peut mettre en unconditional, donc unconditional c'est-à-dire que il s'en fout dès qu'il exécute la commande, dès qu'il peut le faire. Et là, ceux-là, ils sont réglés en conditional, c'est-à-dire que il n'exécutera la commande seulement et uniquement seulement si le bloc précédent, qui est imbriqué, hein, vous voyez si la flèche est dans le même sens, seulement si le bloc précédent a exécuté sa commande avec succès. Voilà, c'est si le commande bloc précédent a réussi à faire la commande, à exécuter la commande parfaitement, il a réussi à la faire, eh bien, le commande bloc là, va exécuter la commande. En fait, ça me permettait de réduire un truc qui était grand, qui était plutôt grand quand même. Bah, attendez, je vais prendre juste des blocs pour montrer environ la taille que ça faisait. Ça faisait à peu près cette taille là. On en avait deux superposés, plus un qui était comme ça, et on avait un repeater au milieu. Donc ça, on avait un truc de cette taille là pour faire un seul craft, et j'ai pu le réduire à cette taille là. Donc, enfin, grâce à cette petite astuce. Donc, vous voyez, ça m'a permis de gagner beaucoup de place en cumulant tout. Et donc, j'ai pu tous les coller les uns aux autres. Et en les collant tous les uns aux autres, bah ça vous fait un gros pavé comme ça. Sachant qu'il est plein, hein, à l'intérieur, il est plein. Hein. Donc chaque petite section de 4 comme ça, ça fait... C'est totalement rempli à l'intérieur. C'est énorme. Ouais, donc tout ça, j'ai rajouté. Ici, j'ai mis tous les objets rajoutés par le nomade. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer... Enfin, je vais vous montrer si vous voulez voir... Juste voir tous les items que ça rajoute. Si vous ne voulez pas les voir, attention, passez la vidéo... avancez un peu parce que si vous voulez pas vous faire spoiler de tous les objets et que vous avez envie de les découvrir en regardant mon aventure, surtout ne regardez pas ce passage. Je pense que je vais mettre une petite un petit truc cliquable à l'écran là sur lequel vous pourrez cliquer, un gros bouton qui vous permettra de passer ce passage où je montre tous les objets. Mais je ferai peut-être une autre vidéo aussi dans laquelle je présenterai les crafts et comment les faire. Voilà, donc attention, spoiler alert, tout de suite, bim. Alors c'est parti. Voilà, donc déjà je montre juste tous les items, tous les premiers items. Puis, deuxième coffre plein, tout cela. Puis, troisième coffre, tout cela. Voilà, donc si t'as passé avec le bouton, tant mieux, tu n'auras pas vu tout ceci. Alors, donc évidemment, là maintenant, telle quelle, la machine ne sert absolument à rien. À part la tour qui est ici, mais qu'on peut toujours faire respawn avec cette petite commande là, tac, et que ça met le petit message en bas qu'il faut mettre une table de craft en haut de la tour. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là et on va se retrouver sur MC Edit
pour prendre cette machine et la coller dans le nouveau monde que j'ai créé spécialement pour cette aventure. Voilà, donc je me retrouve sur MCEdit. Alors sur MCEdit, vous pouvez voir que c'est un peu plus moche. Voilà, bon après, ça, au sens, c'est un logiciel qui est fait exprès pour juste bosser sur Minecraft comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la machine. On va la prendre comme ça, on va la copier. On va la prendre toute la surface, tac. Et on va agrandir la sélection jusque là. Voilà, on a toute la machine. On va faire copier. Voilà, on copie la machine, donc il charge. Voilà. Donc maintenant, on va fermer cette partie-là. On va aller, donc, chargement rapide. On va aller sur les crafts, donc la mienne. Alors, donc là, je suis dans le monde que j'ai créé. Que j'avais créé au préalable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à... Donc, 0... 0. Donc voilà, ouais, j'y vais. Je ferme ça. Alors, où est-ce que je suis? Oups. Ouais, mince, le problème c'est que le monde n'a pas été chargé encore. Donc, petit problème. Bon, tant pis, je vais la poser quelque part ici. Tac, pour l'instant. Bon, effectivement, la commande n'est pas très jolie, mais je suis obligé de la mettre. Tac, alors on va juste la lever un petit peu pour être sûr qu'elle ne soit pas en contact avec le sol. Ce sera mieux. Voilà, il n'y a aucun problème, elle n'est pas en contact. Non, ça passe. Ok, c'est bon. On l'importe. Ah, désélectionné. C'est bon, ça devrait aller. D'ailleurs, je vais la sauvegarder. Ce sera peut-être bien. Oui, je sais, je le fais en vidéo, mais je m'en fous. Alors, on va l'appeler... Comment est-ce que je pourrais l'appeler, tiens? Allez, comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, bon, je la sauvegarde juste deux secondes. Alors, maintenant, on va sauvegarder le monde. Tac, on va quitter MCEdit. Et je te retrouve après. Donc là, évidemment, il y a un écran noir parce que je viens de fermer MCEdit, hein. Mais je te retrouve juste après. Voilà, donc je suis à nouveau sur Minecraft. Donc je vais pouvoir retourner sur mon aventure qui s'appelle l'IDCraft. Et oui, la l'IDCraft. Waouh, ah oui, les commandes, oui, ils font les commandes extrêmement vite. Donc on va faire game rule. Command block output alors false, voilà, c'est bon. F3D. Alors maintenant je vais juste faire game mode 1 parce que là je suis pas au bon endroit, donc je vais me lever assez haut dans le ciel et on va faire slash tp what, voilà, tp choix le plus proche, donc les coordonnées fait 0. En hauteur, bah, la même, 0. Alors, pour l'instant, voilà, c'est bon, j'arrive là où la machine est censée être. Voilà, c'est bon. Alors, en fait, MCEdit, il crée pas le monde, en fait. Il va laisser le monde tel quel là où tu es normalement. Donc, alors, mince, ouais, il y a la neige. Bon, c'est pas grave, je vais mettre des torches sur la machine. Donc, pour l'instant, ça passe. Maintenant, on va appuyer tranquillement sur le petit bouton. Ah, tiens, on voit déjà, il y a déjà du minerai qui a été rajouté ici. Donc, alors, le bouton. Où est la machine? Enfin, où est la tour? On va la rechercher. Où est-elle? Allez, on trouve la tour. Waouh, elle est où? What? Je sais pas du tout où elle est passée. Ah, elle est là. Ah, elle est plutôt bien située, hein. Elle est au niveau du sol. Vous voyez? C'est pour ça que il faut. J'ai fait en sorte que les blocs creuse un truc qui part du ciel jusqu'en bas, parce que sinon en fait là la tour, si elle avait spawné juste là, il y aurait eu la terre par dessus et j'aurais jamais pu la trouver. Donc là comme ça fait un trou, bah nickel. Et puis il y a une pousse d'arbre aussi, parce que ça, putain, ça a bousillé un arbre qui était là, vous avez vu, ça l'a complètement trouvé. Mais ça l'a trouvé l'arbre. Ouais, ça l'a trouvé pile sur le pattern de la tour. Voilà, donc ça pour l'instant je le mets dans mon inventaire, j'en ai pas besoin. Alors, enfin je vais le jeter d'ailleurs. Donc, alors, vu que la tour est là, ça elle est plutôt bien située. Maintenant tout est bon, je crois, ouais. Donc là les coffres, bah j'irai pas voler ce qu'il y a dedans, hein. D'ailleurs je vais peut-être les enlever. Tac, pour l'instant ça va, ça passe. Ouais, y a pas trop de problème. L'endroit est, ouais bof, c'est pas génial comme endroit, mais c'est pas grave. On va, donc la tour est générée. On va tout de suite se mettre là. On va créer évidemment cette world spawn. Et on n'a pas besoin de mettre le world spawn vu que le command block le met tout seul.
Comme ça, pas de problème. Le world spawn est bien ici. Donc on va se reposer là. Voilà, tranquille. Faire game mode 0. Et boum. Alors, c'est parti. L'aventure peut commencer. Et évidemment, comme toute aventure Minecraft, on commence par puncher les arbres. C'est parti. Go. Tac, 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 tac. Donc, hop. Donc cette commande, je connais les crafts qui sont rajoutés. Hein. Je vais pas vous le cacher, je les connais. Hein. Évidemment. Mais j'essaierai pas de spoiler ce que c'est. Je saurai de quel matériau j'ai besoin, mais je spoilerai pas tout de suite qu'est-ce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Sinon, ce serait un peu de la triche. Donc, enfin, pour ceux qui auraient pas envie de connaître tous les objets. Qui aurait envie de les découvrir en regardant et qui exprès aurait appuyé sur le bouton là précédemment pour zapper la présentation. Enfin, j'ai rien présenté. Hein. Donc, alors la table de craft. Pour l'instant, la table de craft, on va la mettre là. On va se créer vite fait des sticks et on va se créer une petite hache. Ce sera très bien. Boum. Alors, et une pioche, ce sera mieux. L'épée, c'est pas très important pour l'instant. Alors, donc. On va récupérer la table de craft parce que je vais en avoir besoin. Pour la mettre là. Voilà, je la mets au centre de la tour. Bim, ça m'a créé une table de la crafting machine. Redzist, ça je connais. Tips, je la connais. Alors le Redzist, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, le Tips, j'en ai besoin pour retirer la machine. Vous voyez, si je le mets là, boum, ça devient un entonnoir. Et l'entonnoir, il s'appelle T-Kit. C'est juste parce que tu dois récupérer la table de craft. Bon, elle va, comme l'objet disparaît, ça la referme. Mais au moins, tu regagnes ta table de craft. Donc je la repose. Je vais juste. Ouais, sauf que ça te les redonne à chaque fois. J'ai un deuxième Redlist. Bon, c'est pas grave, je les enlèverai. Donc, crafting machine. Donc, pour l'instant, Oak Saplings, tac. Ça me donne des cerises. Oui, si je les mets, ça me donne des cerises. Ça me fait un peu de bouffe, mais bon, je vais le garder de côté pour l'instant, la cerise. Donc, la prance qui coule, c'est que comme il y a des moutons, ça peut être pratique pour avoir de la laine et et à manger. C'est cool, hein. La viande, c'est bien. Boum. Ah, coup critique, c'est ce qui est tué le plus vite. Ah oui, aussi, vous avez peut-être remarqué, à chaque fois que j'en ai tué un, j'ai obtenu une Crystallized Soul, donc une âme cristallisée. Alors, c'est à chaque fois qu'on tuera un mob, quel que soit le mob, hein, ça peut être squelette, zombie, villageois, autre joueur, n'importe quoi, on en gagnera une. Donc ça, c'est très utile, c'est des âmes. Et donc des âmes, on en gagne à chaque fois qu'on tue quelqu'un ou quelque chose qui est vivant, évidemment. Donc... J'en gagnerai de toute façon tout au long de l'aventure, j'en gagnerai tout le temps, hein, je les stockerai parce qu'avec ces âmes, on peut faire des choses. Ouais, avec ces âmes. Ouvre-toi, ces âmes. Alors. Évidemment, il y a plus de minerais. Certains minerais sont très durs et très rares à obtenir. Oh, mince, j'ai raté mon coup. Oui, je me bats à la hache parce que là, 1.9, de toute façon, 1.9, c'est la mise à jour combat. Donc, la mise à jour combat, ça ajoute plein de trucs pour se battre, évidemment. Ah mince, par contre ça fait combien de temps que je tourne? Attends, je vais juste faire une petite ellipse. Non, ça va, c'est bon, ça fait peu de temps que je record. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, j'ai un peu de bouffe, donc pour l'instant je n'ai pas de quoi cuire. Donc ça c'est une table de craft, hein. Elle sert pas à cuire la nourriture. D'ailleurs vous voyez, il y a les petits trucs comme sur une table de craft normale. Je l'ai fait exprès parce que je trouvais ça drôle. Donc alors, on va tout de suite passer à ça. Donc il va falloir un petit peu de pierre. Alors, boum. On va récupérer toute cette pierre. Et on va se créer un abri juste après. Alors, il va me falloir aussi des sticks si je veux faire tout ça. Tac. On va mettre ça comme ça. Le seul inconvénient avec cette machine, c'est que t'as pas le droit de t'éloigner en fait. Parce que si tu t'éloignes, la tour elle est plus là. Donc, bon, après là, c'est pas tellement une tour vu qu'elle est dans la terre. Mais après, si la tour est plus là, c'est galère. Alors, donc on va se. Ouais, sauf que j'ai plus de table de craft. Bon, je m'en crée une à côté. Donc, on va la mettre là pour l'instant. Hop, on va se créer un petit four. Ça va être tout mignon. Alors, hot topic. J'essaierai peut-être de compléter les achievements, ça pourrait être rigolo. Hop. Aussi, si vous avez des défis à me proposer ou si vous avez envie que je fasse des trucs, dites-le moi, hein, ça ne pourrait que donner un peu plus de piment à cette aventure. Hop. Bon, après, de toute façon, je récolte beaucoup de charbon, mais je sais très bien que pour cuire 10, t'as juste besoin d'un seul charbon et de... Pardon. Non, un charbon, ça cuit 8 objets, donc...
Si j'utilise un deuxième charbon, ça gâchera justement le charbon. Bon, c'est pas grave pour l'instant. Juste après me créer une... juste me créer une pioche un peu mieux, en pierre je pense. D'ailleurs, je la crée tout de suite. Avec ma petite table de craft. On va se créer des sticks de toute façon, hop. On se crée une pioche, ce sera mieux. Et une hache, pareil, ce sera mieux. Hop, maintenant on va cuire toute notre bouffe. Donc on va mettre ça là. On va mettre celui-là ici. Ça va cuire un objet, je sais. Et comme ça, ensuite je pourrai mettre mon truc et ça fera le compte pile poil bien. Et une fois que celui-là aura disparu, j'aurai plus qu'à mettre le charbon. Hop, voilà. Bon, on peut le laisser pour l'instant, c'est en train de cuire le truc. Donc, maintenant que j'ai ma meilleure pioche, je vais aller miner le minerai que j'avais vu là-bas juste avant. Donc, ça c'est un minerai de... comment ça s'appelle déjà? Oui, comme je casse le bloc, en fait, j'obtiens un minerai et le jeu appelle ça de la diorite. Mais en fait, c'est pas censé être de la diorite dans le jeu, c'est des lightning fragments, voilà. Des fragments d'éclair. Oui, c'est un peu chelou comme nom, mais je l'appelais comme ça. Donc, tac, tac, tac. Donc ça, lightning fragment, c'est assez fréquent, hein. Ça se trouve plus facilement que le charbon. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Il y a masse de moutons ici, hein. Bon, je vais les laisser pour l'instant parce que j'ai pas besoin d'eux. On va récolter juste un petit peu plus de bois. Ce sera toujours mieux. Alors, tac, tac, tac. Donc, j'obtiens du bois, ça passe. Faudrait que je fasse gaffe parce que, voilà, les saplings, ça me permet d'avoir des cerises. Et les cerises, tu peux les manger, c'est bon. Bon, ça, c'est pas très utile, hein. Ça régénère pas beaucoup de nourriture, mais bon, c'est des cerises, quoi, c'est mignon. Alors, tac, donc oui, donc je tiens à préciser, toutes les textures, c'est moi qui les ai dessinées, hein. Sauf celle évidemment qui se rapproche beaucoup de trucs déjà existants. Hein. Évidemment, ça, il y a problème. Donc, tips, on va le mettre. Tac. Je récupère un table de craft. Non. On va prendre ça. Boum. Et ça me donne un lightning fragment. Nice. Tac. Oui, je sais, ça peut être long, mais voilà. T'es bien obligé. Bon, après, tu peux le faire de manière plus rapide. Attends. Je vais le faire d'une manière plus rapide. Il suffit de les stacker comme ça, tu les stacks par paquet et ça te donne des blocs et les blocs t'en donnent 4, ce qui est un peu pété. Attendez, c'est bizarre. Oula, attendez, si j'en fais, ouais, je crois que j'ai fait que c'est un peu pété, il va falloir que je règle ça. Ouais, c'est un peu pété, c'est bizarre. Bon, je réglerai le problème la prochaine fois. Ouais, donc pour l'instant, attendez, je vais juste vérifier, je suis en normal. Donc il va falloir que je me crée une maison, parce que là, c'est un peu la merde. Donc, ça. Ou alors, non, attendez, au lieu de me créer une maison, je vais vite fait me créer un lit. Ça, je pourrais dormir vite fait, bien fait. Sans problème. Vite. Hop. On s'endort. C'est bon, on s'endort. Alors, il va me falloir des pommes aussi. Ouais, sauf que les pommes, là, ça va être chaud d'en trouver. Vu qu'il n'y a que les chaînes qui en drop. Et donc, j'ai rajouté beaucoup d'objets, mais il y a moins d'objets que de craft, parce que souvent, les objets sont réutilisés dans les crafts. C'est... Alors, j'aimerais bien fabriquer des... Ah, comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Ouais, donc j'ai rajouté beaucoup de choses, hein. Enfin autant que j'ai pu en rajouter. Boum. J'ai rajouté autant de trucs que j'ai pu. Alors lightning fragment, vous voyez là, lightning fragment, j'en ai. Donc je vais faire les types. Ouais, par contre là ça fait beaucoup de livres au bout d'un moment, hein. Donc tac, alors on va faire une épée. Ah oui, mince, j'ai oublié. Pour faire les épées, faut un autre ingrédient supplémentaire. D'ailleurs, je vais peut-être me faire une un bloc d'âme. Voilà, soul block. Ça fait un bloc. Bon, faut faire gaffe parce que les blocs d'âme, si tu les poses, tu peux plus les récupérer après. Hein. C'est... Bref, c'est pour ça que je le drop pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Mais vous pouvez pas les dropper après, donc je vais le garder pour l'instant. Hop. Donc, et c'est comme du verre, les soul blocs, vous pouvez voir à travers. Donc pour ce qui est de ça, on peut créer des... Je me souviens plus du tout. Oui, on peut créer des... Ouais, on peut créer des blocs. Ouais, voilà, ouais. C'est bon. J'ai pigé. D'accord, ouais.
C'est ça le problème, il faut pas ancrer avec les directement les minerais. Mince. Bon, faudra que je change ça après. Donc, pour l'instant, pour ce qui est du crafting, pour ce qui est de l'épisode même, je ne sais pas. Alors, stack et tout ça. Boum. Donc, Lightning Fragment, on a tout ce qu'il nous faut. Le truc, c'est cuit. D'ailleurs, on va en manger tout de suite. Ah. Aussi, si vous ne connaissez pas la 1.9, je pourrais présenter quelques petits trucs. Hein. Bon, c'est pas très important. Alors, il me faut des. Plus de. Ah, j'ai. Ouais, sauf que le problème, c'est que bon, en fait, je connais les crafts que j'ai envie de faire. Sauf que, comme vous les connaissez pas, c'est un peu bizarre parce que j'ai envie souvent de dire, ah, il me faudrait tel truc pour faire ça. Sauf que, vu que je veux pas spoiler, c'est galère. Alors, on va escalader cette montagne pour voir ce qu'il y a en haut. Ah tiens, il y a encore plus de lightning fragment là-bas. On va tout de suite voir ça. Wow. Alors, ouais, il y a d'autres moutons. Il y a l'air d'avoir une caverne en bas. Ouais, là, le lightning fragment, là, le minerai blanc, il y en a partout, hein. C'est vraiment facile à trouver. Ouais, là, il y en a au sol, tout. C'est vraiment simple à trouver, hein. Mais voilà, c'est un minerai. Ouh, par contre, je me suis un peu pété les genoux, là. Alors, y a-t-il une caverne dans le coin? Je sais même pas pourquoi je vais aller directement dans une caverne, j'ai même pas d'équipement. Mais bon. Alors, pour l'instant, je vais encore farmer un petit peu le Lightning Fragment, ce sera bien. Hop, on va les farmer un petit peu. Bim, bim. Donc ça spawn, c'est à peu pr ça spawn environ à peu près comme le charbon, c'est juste qu'on peut le trouver à une couche plus élevée que le charbon encore. C'est vraiment le minerai passe-partout quoi. T'en trouves où tu veux. Mais il permet quand même de faire des crafts assez intéressants. Comme par exemple, il permet de crafter un ajout de la 1.9 très très utile. Je ne vais pas dire ce que c'est. Mais c'est un ajout très très utile de la 1.9. Alors, on va en récupérer encore plus. Bim. Bim et bim. Ce sera très bien. Alors, pour ce qui est de la nourriture, j'en ai encore plein, ça passe. J'ai récolté juste un peu plus de charbon, ça sera mieux. Et je vais essayer de récolter du silex après, enfin des flints. Ça pourrait être bien. Donc, alors, pour ce qui est du charbon, pas du charbon, du flint, on va tout de suite aller en récupérer. Faut juste casser le gravier. Sauf que évidemment il y a une chance assez petite d'en avoir. Donc c'est chiant. Mais il faut en avoir quand même. Donc on va se débrouiller pour en avoir. Je crois que j'avais vu du gravier un peu plus loin encore, non? Si mes souvenirs sont bons. Alors ouais voilà. C'est ça ce que j'avais vu la dernière fois. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de caverne dans le coin. Hein. Il va falloir mieux explorer. Boum, boum. Alors, tac. Ah, justement, j'ai vu un silex tomber dans l'eau. Ah, je vais récupérer autant de grès que j'ai besoin. Hop, hop. Voilà, ça m'en prend une vingtaine. Alors, pourquoi j'en ramasse? Parce qu'il y a un craft à faire avec du silex. Donc, j'en prends, évidemment. Donc, évidemment, ce sonomode, au fait, a quelques règles hein, assez importantes à savoir. Comme le fait qu'il est interdit de fabriquer des armures en cuir. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit de fabriquer des armures en cuir. C'est comme ça. Donc je vais juste faire une petite ellipse parce que là en fait je vais faire la technique du charbon pour avoir du gravier. La technique du. Oula, je me gourre dans les noms. La technique du gravier là pour avoir des silex. Donc ça va être un peu long. Donc je vais faire une petite ellipse et je te reprends après quand j'aurai réussi à transformer tout ce gravier en silex. Ah, c'est le dernier. Ah, oui, donc oui, je reprends l'ellipse ici et je finis l'ellipse ici. Hein. D'ailleurs, il commence à faire nuit alors que je me dépêche. Ah, voilà, c'est bon. Alors, go. Voilà, j'appuie sur le bouton. Mon bouton pour sprinter à côté du bouton Windows. Donc en fait, je viens d'ouvrir le truc Windows. Bon,
Il faut que je me dépêche là. Il va falloir que je revienne du côté où il y a mon lit. Il va falloir que je dorme. Ah ouais. Tac, vite, fonce. Fonce, 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 fonce. Hop, hop, hop. Bon, évidemment, la machine n'est pas très cachée, hein. J'essaierai de trouver un endroit où la mettre, hein, où elle sera peut-être un peu plus cachée. Tac, 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 tac. Alors. Hop. Fonce, 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 fonce. Faut que je fonce vers mon lit. Vite. Un petit casse-croûte avant de dormir. Go, dodo. Voilà. Oups, là, je viens d'appuyer D. Alors. Donc, je suis OK pour l'instant. J'ai mon silex. Je vais pouvoir fabriquer 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et sinon. Ouais, et ensuite. Ah, j'en aurais pas assez. Bon, c'est pas grave. Alors, j'en mets 5. Un casque en silex. Un plastron en silex. Et un pantalon en silex. Et j'ai pas assez pour faire les bottes parce qu'il m'en manque un. Ah merde. Falloir que j'en trouve. Donc pour l'instant, je vais pouvoir équiper tout ça. Et voilà, je suis avec une tenue toute noire. C'est juste que, bon, après, l'effet d'enchantement est un peu fait que c'est un peu bizarre. Donc, ah bah tiens, il y en a encore un peu là. J'essaie de trouver assez pour faire les bottes. Attends, je vais juste regarder un petit peu le chrono. Ah ouais, ça va, je commence à tâter les minutes. Bon, bah, en fait, finalement, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager et à mettre un pouce bleu. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!